Ce jour-là, je recevais 10 exemplaires imprimés du texte Le film en jeu que j'allais présenter au jury du Diplôme national supérieur d'expression plastique à Cergy le mercredi 19 septembre 2018. Le hasard fait qu'au moment où j'enregistre cette voix off, je viens de terminer la énième réécriture de ce texte qui sera peut-être publié sous le titre 10 000 images. Mais aujourd'hui, qui peut prédire le futur, même le plus proche? Le seul avenir qui tient dans le temps du journal filmé s'arrête au dimanche 18 avril 2020. Ça fait combien en épaisseur? Oh, ça va. T'attendais à plus que ça, hein? Je sais qu'on est près de l'arbre là, où c'est soit celui-là, soit c'est l'autre. Mais c'est possible que ce soit elle, sauf que j'arrive pas à voir si j'ai un piquet. Parce que la bleue de Bretonne, elle a dû repartir. Il y a simplement certains sujets à l'intérieur qui arrivaient à redémarrer. Elle a eu un moment de difficile. Non, faut revenir. À mon avis, plus en hiver. Mois de juin, c'est qu'on avait perdu l'infectiologie de tous les médecins en France. Ouais. Et c'est pas international. Si vous allez grandir un jour. Bah, si, c'est en train de retourner dans l'autre sens maintenant. C'est peut-être pas un grand dame, je sais pas. Ça donnerait presque envie d'y aller. De te baigner là-dedans? Non, de voir. Est-ce que ça peut. T'as vu la longueur du machin? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Non, ça sert à rien. Ouais. Il a l'air de traîner dedans, quoi, c'est tout. Mon frère. T'as vu le. Non, non, là, je vois rien, moi. Tu fais ta cuisine et je fais la mienne. Bah, tu seras dans le journal filmé, c'est ça? Dans un an. Ah, bah oui. Par contre, il faudrait que tu me regardes un peu. Ah, oui, je vais trouver. Je suis pas trop crispé, c'est tout. Non, ça T'es va. à contre-jour, hein, je suis. Aïe, bah oui. C'est bien comme ça, tu seras incognito. Ah oui, il y a le. Elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal, hein? Ah ouais? Ah ouais, mais ça va, là, j'ai pas eu une trop mauvaise tête. Ah non, t'es bien là. Regarde. Ce jour-là, nous partions passer quelques jours à Pontivy, chez des amis qui étaient partis en vacances et nous laissaient leur maison. Étrange sensation d'entrer presque par effraction dans une maison vide de ses occupants habituels. Même le chat semble nous ignorer. Au domaine de Kerguéhennec, nous retrouvons l'exposition Pavillon des Marches de l'ami Gilles. Je filme en pensant à lui, comme s'il pouvait observer les visiteurs à leur insu, et qu'ainsi, il devenait sans le savoir les véritables sujets de l'exposition.
Les blottes de Kerguelenec.